Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. بسم الله. والصلاة. والصلاة. والسلام. والسلام. على. على. رسول الله. رسول الله. اللهم. افتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه قديم من الشيطان الرجيم الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله Donc chers enfants, déjà ça fait plaisir de vous retrouver après tant de temps que nous ne nous sommes pas vus. Oui. Mais vous étiez où? Comment ça se fait que je ne vous ai pas vu? Ah, vous êtes en vacances. Tasnim, elle a dit qu'elle m'a complètement oublié. Et vous, est-ce que vous m'avez complètement oublié comme Tasnim? Oui. Selma aussi, elle m'a complètement oublié. Moi, toi, tu m'as pas oublié. Ouais. Et toi, tu m'as pas oublié. Oui, je t'ai pas oublié, ma soeur, elle arrête pas de te voir. J'ai vu, mais t'es passé à côté d'un champ. Et après, t'es parti dans un autre chemin. Tu m'as vu passer à côté d'un champ avec la petite voiture noire, qu'elle était juste à côté. C'est vrai. Ouais. Non, j'arrête pas de te voir, j'ai envie de te voir. T'as envie de me voir même pendant les vacances. Ah, tu me cherches. Ah bah t'aurais pu me chercher longtemps. J'étais très très loin pendant les vacances. Je suis parti très 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 très, très loin dans l'avion. À la mer. À la mer ou à la Mecque? À la Mecque. Oui, je suis parti à Mecque. D'accord, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, nous allons continuer notre étude aujourd'hui et on va parler. D'une question très importante. Si quelqu'un vient vous voir dans la rue, ou si quelqu'un vient vous voir à l'école, ou si quelqu'un vient vous voir au centre, ou si quelqu'un vient vous voir au sport, ou si quelqu'un vient vous voir au magasin, ou si quelqu'un vient vous voir au restaurant, ou si quelqu'un vient vous voir quand vous êtes en vacances, et que cette personne vous dit, qui est Allah? C'est qui Allah? Le Dieu. Qui peut répondre en levant sa main à cette question qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala? Mariam. C'est notre Dieu. Amin. Le Seigneur de tout l'univers. Mouna. Celui qui nous a créés. Salma. C'est le créateur Inaya.
Celui qui a créé le monde entier, Nawal. Celui qui nous a donné à manger, Abdurrahman. Celui qui nous a donné, Najma. Celui qui nous a donné la vie, Mouna. Celui qui nous a donné la vie et la mort, Amin. Nada. Celui qui nous a créé de la meilleure manière, façon. Encore une réponse, Mouna. Chut, Salma. C'est celui qui mérite d'être adoré. Très, très bien, Mouna. Alors, on répond et on dit Allah, il est U. Allah, Allah, il est U. Il est le seul. Et il n'y a rien qui lui ressemble. Allah, Azza wa Jal, il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui est comme lui. Il n'y a rien qui est plus beau que lui. Il n'y a rien qui est plus fort que lui. Il n'y a rien qui est comme lui. Qui est le plus beau? Allah. Qui est le plus fort? Allah. Qui est le créateur de toutes choses? Allah. Qui a créé le jour et la nuit? Allah. Qui nous a créés? Allah. Qui mérite seul d'être adoré? Allah. Et il n'y a rien qui ressemble à Allah. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas de femme, les filles. Chut. Ferme ton livre. Allah, il n'a pas de femme. Parce qu'Allah, il n'a pas besoin de femme. Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de se marier. Allah, il est seul. Allah Azza wa Jal, il n'a pas de parents. Allah, et non, on ne peut pas dire le pauvre. Parce qu'Allah, il n'y a pas besoin de parents. Nous, si on n'a pas de parents, ce serait triste pour nous. Oui. Mais Allah, pourquoi? Parce que nous, on a besoin des parents. T'as compris, Saman, on a besoin de nos parents. C'est vrai ou pas? Mais Allah, Azza wa Jal, Allah, il n'y a pas besoin de parents. Et il n'y a personne qui a créé Allah. Allah, ce n'est pas une créature. Il n'y a personne qui a créé Allah. Allah, il a toujours été là. Allah, Azza wa Jal, c'est lui le premier. Et ce sera lui le dernier. Et Allah, il n'a pas de parents. Allah, Azza wa Jal, il n'a pas de papa. Et il n'a pas de maman. Allah, Azza wa Jal, il n'a pas d'enfant. Et il y a des gens qui ont dit qu'Allah, il avait un fils. Certains, ils ont dit que c'était le prophète Issa. Est-ce que c'est vrai? Non. Et d'autres, ils ont dit qu'Allah, il avait un fils. Et ils ont dit que son fils, c'était un homme qui était très gentil, qui s'appelait Uzair. Est-ce que Uzair, qui est très gentil, mais est-ce que Uzair est le fils d'Allah? Non. Et d'autres, ils ont dit qu'Allah, il avait des filles. Non. Ils ont dit que les anges, c'était les filles d'Allah. Est-ce que cela est vrai? Non. Est-ce qu'Allah il a des enfants? Non. C'est pour cela on dit lam yalid wa lam yulad. C'est pour cela que c'est important de comprendre la sourate Qul huwallahu ahad. Allah Azza wa Jal, il est unique. Allah, il est seul. Il n'y a rien qui ressemble à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah, il est parfait. Il n'y a personne qui est plus fort qu'Allah. Il n'y a personne qui est plus beau qu'Allah. Il n'y a personne qui fait ce qu'Allah Azza wa Jal fait. Allahu samad. Allahu samad. Toutes les créatures, parce qu'Allah Azza wa Jal, il a tout créé. Allah, il a créé l'univers. Allah, il a créé les hommes, les animaux, les plantes, les djinns. Allah Azza wa Jal, il a tout créé. Et tout ce que les gens
ou tout ce que les créatures ont besoin, il demanda. C'est ça que ça veut dire Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah Azza wa Jal, il n'a pas de Allah Azza wa Jal, il n'a pas d'enfant. Allah, il n'a pas de frère. Allah, il n'a pas de sœur. Allah, il n'a pas de tonton ou de tata ou de cousin ou de cousine. Allah Azza wa Jal, il n'a pas de famille parce qu'il n'en a pas besoin. Allah, il n'a pas besoin de famille. Allah Azza wa Jal, il est seul et personne n'est égal à lui. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. D'accord. Également, Allah Azza wa Jal, comme il est parfait, et bien c'est lui qu'on doit adorer. Pourquoi on va adorer une statue alors que est-ce que la statue elle est parfaite? Pourquoi on va adorer Jésus? Est-ce que Jésus il est parfait? Est-ce qu'on va adorer les anges? Est-ce qu'on va adorer les prophètes? Non. Ben non, on n'adore pas les prophètes. On adore que Allah. On adore que Allah. Mais on aime les prophètes. On écoute les prophètes. On suit les prophètes. Et surtout le dernier qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on adore que Allah, et ben on doit lui obéir. Et on ne doit jamais lui désobéir. Et parmi les plus grandes désobéissances qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé, c'est la prière. La prière. La prière. Et les enfants, toute votre vie, vous devez aimer la prière. La prière, c'est encore mieux qu'un jeu. Pourquoi? Parce que quand vous jouez, t'as le droit de jouer ou t'as pas le droit de jouer? T'as le droit de jouer. Mais est-ce que quand tu joues, t'as le droit de jouer, y a pas de problème. Mais est-ce que quand tu joues, c'est ton jeu qui va te faire amener au paradis? Non. Non, tu joues, c'est tout. Quand il s'arrête, il s'arrête. Mais la prière, c'est encore mieux qu'un jeu. Parce qu'à chaque fois que tu pries, eh ben tu gagnes un une grande place au paradis. Une grande place au paradis. Donc est-ce que vous aimez prier? Et lorsque votre papa et votre maman, ils vous disent de prier, est-ce que vous êtes content? D'accord. Et si un jour, vous êtes grand et vous ne priez pas, eh ben vous ne pourrez pas aller au paradis. D'accord les enfants, même si on a prié quand on était petit, parce qu'on doit toujours prier. On doit toujours prier. On ne doit pas arrêter la prière. Et vous savez pourquoi on prie? Parce qu'on aime Allah. Est-ce que vous aimez Allah? Oui. Et également, on ne doit pas désobéir à Allah. Il y a certains des enfants, vous savez ce qu'ils font? Eh bien, ils disent des mensonges. Ils mentent. Et quand on ment, est-ce qu'on obéit à Allah ou on lui désobéit? On lui désobéit. Et est-ce qu'on a le droit de lui désobéir? Non. On ne doit pas mentir. Même si on va se faire gronder, eh bien on dit toujours la vérité. Et des fois, si tu dis la vérité, eh bien tu ne te feras pas gronder. Également, il y a des enfants qui volent à l'école. Et est-ce qu'on a le droit de voler? Non. Est-ce qu'on a le droit de désobéir à Allah? Est-ce que vous allez voler? Non. Également, il y a des enfants qui disent des gros mots. Quoi? Qui disent des injures, des bêtises, des insultes. Est-ce que vous allez dire des gros mots? Non. Non, parce qu'on ne désobéit pas à Allah. Il y a des enfants qui s'énervent, qui se mettent en colère, qui se disputent et qui se battent avec leurs frères, leurs sœurs ou leurs cousins ou leurs cousines. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en colère? On ne se met pas en colère. Et on ne se bagarre pas. Et on ne frappe pas. Attention. Et il y a des enfants qui font quelque chose de très très grave. Ils désobéissent à leurs parents. Ils mettent en colère leurs parents. Et vous savez que celui qui met en colère ses parents, il aura mis en colère Allah. Est-ce que vous voulez mettre en colère Allah? Donc n'oubliez pas les enfants, qu'Allah Azza wa Jal, il voit tout, il entend tout, il sait tout, il voit tout, il surveille tout. Toujours, Allah il te surveille,
Allah Azza wa Jalla te surveille. Allah, il sait tout ce que tu dis, même quand tu parles dans ta tête. Quand tu parles tout seul dans ta tête, Allah, il sait. Allah, il sait ce que tu dis. Allah, il sait même quand tu parles doucement. Allah Azza wa Jalla, il sait tout. Et Allah, c'est lui qui gère tout. Il s'occupe de tout. Donc on dit Allahu Akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد